Et bonjour tout le monde, Soximozo, aujourd'hui on se retrouve pour le 29e épisode de Let's Build. Et dans cette vidéo les amis, on va construire une voiture de police. Donc c'est une voiture de police vraiment, je la trouve vraiment très très belle. Et je l'ai bien travaillée, je pense qu'elle vous plaira beaucoup. Donc je tourne ces épisodes à la suite des deux derniers, voilà. Je me suis dit c'est court à faire, ça se retient vite, donc hop, on les enchaîne. Et comme ça, je suis un peu libre pour les vacances d'été, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous en passez de bonnes. Donc, pour cette voiture de police, on aura besoin de laine noire, de laine gris clair, de laine blanche, de vitre noire, de vitre grise, de vitre rouge, de vitre blanche, d'item frame, de pancarte, d'escalier en quartz, de ficelle, de tapis blanc, de tapis noir, de tapis rouge et de tapis bleu. Donc, la voiture que je vais faire, c'est une voiture de police plus américaine et tout. Vous reconnaîtrez sûrement si vous jouez à GTA, etc. Hein, c'est les voitures de base. Je vais pas construire une voiture de police française parce que laisse tomber, j'ai pas envie de faire un tuto pour faire une Clio, moi. Et ou peut-être que, peut-être que je ferai un tuto pour construire une voiture de police. Des Émirats arabes ou j'en sais rien, à Dubaï, etc. Alors pour ceux qui savent pas, à Dubaï les gars, les voitures de police c'est des Lamborghini. Alors c'est des Lamborghini, voilà, au calme, si vous voulez je vous fais un petit tuto, etc. Allez voir, c'est des Lamborghini vertes, vertes et blanches. Et il y a aussi des Ferrari et tout, ils se mettent bien hein, avec le pétrole et tout. Ça fait beaucoup d'argent tout ça à investir, voilà, dans des belles petites voitures. Donc pour commencer notre voiture de police américaine, on va poser 6 blocs de... on va en poser 9. On va en poser 9 blocs de laine noire comme ça. On va casser les deux comme ça pour que ça fasse un H ou un I comme ça. Voilà, on va prendre notre laine gris clair, on va en poser 2 pour faire les roues. Après on va poser 2 laines blanches comme ça et 2 laines blanches comme ça. Vous savez, sur les portières, en fait on voit le bas des portières sont blanches et c'est marqué police avec le logo dessus, hein, vous reconnaîtrez aussi encore une fois. Après qu'est-ce qu'on va faire, on va poser 6 blocs de laine noire comme ça, c'est magnifique. On va en poser 2 comme ça après. Et voilà, je pense. On va prendre nos tapis noirs. Et en fait, comme là, les roues, elles sont moches, et ben on va les recouvrir comme ça. Et comme ça, voilà. Ça sera plus esthétique. On va prendre nos vitres grises. Et on va faire le pare-brise avec les fenêtres, etc. Donc, on met tout ensemble comme ça. Et ici, on va mettre la petite fenêtre à l'arrière. On se met bien. Voilà. On va prendre nos escaliers en quartz, on va en mettre un ici, on va prendre un tapis blanc. Un tapis blanc, où est-ce qu'il est? Il est là. On va prendre un tapis blanc, on va le mettre ici, voilà, pour que ça fasse... voilà, c'est sympa, hein, dans notre voiture. On va pas pouvoir rentrer dedans, encore une fois, c'est plus pour décorer les routes de vos villes, si vous en faites, bien sûr. Donc voilà. On va prendre, du coup, alors maintenant, ça va être assez complexe, il va falloir prendre vos fils. Votre ficelle, il va falloir en poser une ici et une là, tout simplement pour que les carpettes elles soient posées, elles puissent être posées. Donc en fait, on va poser deux rangées de carpettes ici, et une dernière ici. Et ici, on va la laisser parce qu'on va faire le petit gyrophare. Donc on va prendre du coup, un tapis blanc, un tapis rouge et un tapis bleu, et on fait bleu, blanc et rouge, voilà, vive la France, c'est magnifique. Donc voilà, alors ça se voit pas trop comme ça, mais ça rend plutôt stylé, comme sur un peu de haut, etc. Si on saute, ça se voit un peu. C'est léger, mais ça reste quand même assez sympa, faut pas que ça soit trop excessif quand même. Et voilà, on va rajouter les détails maintenant, on va prendre nos cadres, nos item frames, on va en poser ici 2 pour les phares, ici 1 pour la roue. Ah non, alors là je me suis trompé, oh excusez-moi. Donc en fait ici on va poser de la laine gris clair, et ici on va poser de la laine gris clair juste après les blocs de laine blanc, et juste au-dessus, voilà, d'ici. Voilà, autant pour moi les amis. Hop, alors je fais n'importe quoi moi. Voilà, du coup on va en poser sur les blocs gris clair pour les roues. On en a posé 2 à l'avant et on va en poser 2 à l'arrière. Voilà. On va prendre nos vitres rouges tant qu'on les a dans la main. On va en poser 2 pour l'arrière. On va prendre nos vitres blanches. On va en mettre 2 à l'avant. C'est un peu comme la limousine et le Humvee que j'avais fait. Donc voilà. Et on va prendre nos vitres noires et on va les mettre sur les roues. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà les amis,
Il reste un dernier truc. Non, j'allais terminer la vidéo, mais non, je me suis forcé à me dire qu'il restait un dernier truc, et c'est vrai, puisqu'on va prendre nos pancartes et on va en poser une à l'avant et une à l'arrière pour faire de vos plaques d'immatriculation. Alors moi, je mets rien, vous pouvez mettre des chiffres, vous mettez ce que vous voulez, et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on pourra pas rentrer, c'est dommage parce qu'il y a les ficelles, et en plus, faire une porte ici, ça serait pas du tout esthétique. Cette vidéo, elle est un peu dédiée aussi à un tuto que j'avais fait il y a très longtemps. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a au moins un an et demi, voire deux ans, j'avais fait des tutos de construction de véhicules, comme je vous en avais parlé avec la Formule 1 et le kart, et bah ça vient de tous les trois de la même série de tutos. Et voilà, j'avais fait, c'était presque exactement la même, sauf que en fait ici j'avais posé des dalles et par dessus j'avais posé des item frames avec le bleu, blanc, rouge, un peu comme ici en fait, voilà, mais sauf que j'ai légèrement modifié et ça a donné ça. Bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est un truc assez sympa à faire, voilà, en plus elle est très très esthétique. Je pense que je vais faire la même chose mais en taxi, parce qu'à la base ça c'était je voulais le faire aussi en taxi et tout, parce que voilà, ça me rappelle aussi ça, que je voulais faire un taxi et c'est parti en camping. Car je veux vraiment le faire ce taxi et je pense que je vais réussir un jour. Bref, voilà. En tout cas, j'espère, comme je vous ai dit, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à commenter votre avis dans l'espace commentaire, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez le faire, si vous allez le reproduire, les choses à améliorer, etc. À liker, c'est très important, voilà, ça m'aide beaucoup et voilà, ça me rendra très très heureux si j'ai beaucoup de likes, voilà. À partager, c'est le plus important, les amis, partagez à tous vos amis qui ont Skype, Twitter, Facebook et tout, et qui jouent à Minecraft, ça peut être très utile pour eux et ça m'aidera moi aussi. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.